Magique 9, 109, merci pour fidélité nous avec attention nous à suivre Panel Magique. Il fait 8h06, c'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison Le Nouveliste matin. Il est urgent de mettre des moyens au service du sport. Alors que rien ne va en Haïti, le pays a reçu une agréable surprise. Melchi Daël Dumorné a été nominée jeune joueuse de la saison 2023-2024 de la Ligue des Champions par le panel d'observateurs techniques de l'UEFA. Corventina est au firmament du football féminin en dépit de la finale perdue par Lyon, son équipe, devant le FC Barcelone samedi 25 mai 2024. Ceux et celles qui suivent le parcours de la joueuse natif de Mirbalais et de sa progression avec différentes équipes depuis plus de 8 ans ne sont pas étonnés. Mais pour le pays et pour le monde, quel accomplissement! Au fil des années, Dumorné a reçu le maximum des récompenses individuelles au sein de la CONCACAF et voilà qu'aujourd'hui, elle est reconnue sur notre continent pour son talent. Bravo! Depuis la qualification de l'équipe nationale des moins de 20 ans pour la Coupe du Monde de FIFA de 2018 en France, Belchi Dumorné, Nerilia Mondésir et les autres filles ont imposé le football féminin dans le cœur des supporters haïtiens. Avec la génération de l'Ogina haïtienne qui arrive, souhaitons que la belle saison se poursuive. Vous nous inspirez, mesdames. Si tout un chacun se réjouit des résultats de nos filles, rares sont ceux qui soulignent que le football féminin est à l'arrêt en Haïti, que la relève n'est pas en route, ni que tout ce qui nous arrive de bon vient de l'étranger, grâce à cette génération de joueuses qui évoluent dans les équipes et championnats hors du pays. En un mot, Haïti n'investit pas une gourde dans le présent ni dans l'avenir du football féminin, ni dans celui du football masculin. Pas une gourde dans l'avenir du sport national en général. À 2 mois de l'ouverture des Jeux olympiques, la participation de la République d'Haïti au budget de la délégation haïtienne se fait encore attendre. Il est urgent de mettre de l'argent au service du sport national, de l'argent public comme de l'argent privé, aussi peu soit-il. Seul le sport, le football en particulier, fait encore de nous un pays, un peuple et une nation d'hommes et de femmes qui vibrent et rêvent animé par une passion commune dans la recherche de la victoire ou dans l'attente d'un simple beau geste. Franz Duval. Merci un pile, Junior Célestin, pour lecture. Là, FD, bonjour. Bonjour, M. Alphonse. Bonjour, M. Célestin. Bonjour, Sénat. Bonjour, Jeffra. Bonjour, Germina, Livert, Gaël. Bonjour, Dr. Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Bien content avec nous matin. Merci pour ce disponible pour le décryptage là. Bon, nous avons tout problème nous là en Haïti et bim, nous recevons bonne nouvelle. Bon, oui, une nouvelle inattendue, une nouvelle notée peut-être certainement d'espérer, mais qu'une patapton. Ben, Germina, Corventina et Melchida El Diomone nommée meilleure jeune joueuse pour saison 2023-2024. Et dans la Ligue des Champions, mais en réalité dans UEFA en général, qui c'est Fédération Européenne de Football. Couronnement, c'est arrivé après le fin perdu final samedi passé. Oui, en dépit de perdu final là, mais il faut le défaire pendant le match que le déjoué dans la campagne ça, campagne 2023-2024 là, permettre que le décoché d'Akadi Titsa, qui c'est observateur technique UEFA qui descendait. C'est pas voter pour dire haïtien voter pour lui, ça haïtien qu'elle va aller sous vote là, non, c'est pas ça. C'est des techniciens qui fait lui et qui mettait Corventina dans niveau ça comme plus bon jeune joueur et son titre qu'elle a ramassé depuis quelque temps déjà et il continue à ramasser. Corventina c'est Timon Mibale, n'a pas suivi 8 ans après et niveau Rivera nous pas trop saisi. Non, bon, nous-mêmes, nous pas trop saisi. Parce que ça fait quelque temps, et Ticket Magazine, et mon crime football a suivi Corventina. Mais pour PIA et pour le monde, quel accomplissement. On dit au fil des années, Dumorné a reçu le maximum de récompenses individuelles au sein de la CONCACAF. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est reconnue sur un autre continent pour son talent. Bravo. Oui, Corventina te prend un ballon d'or dans la catégorie PAL, mais CONCACAF, il te prend soulier d'or pour le monde qui fait plus de goals
toujours dans CONCACAF. Corentin a participé dans deux Coupes du Monde déjà avec Haïti. Il prend plusieurs autres prix individuels. De temps à autre, les joueurs du match, joueurs du mois. Et il prend coupe avec l'équipe Ligue. Là, il venait une plus grosse équipe football féminin qui gagne en Europe. Et je dis à la confédération dans l'autre continent qui reconnaît lui comme un jeune bon joueur. Et Coupe du Monde bon, le 20 en 2018, là, son marqueur de l'ascension Corentina et pas que FD. Non, pas que, parce que c'est toute une génération, c'est Corentina, c'est Nerilia, et c'est Mesdames Sayo qui impose le football féminin dans notre supporter haïtien. Et comme une nouvelle génération qui a venu avec Ludina, et nous souhaitons que la belle saison continue. Ludina a été appelé en sélection nationale, M. Alphonse. Oh, belle nouvelle. Merci pour vos nouvelles. Oui, M. Alphonse. Oui. Ludina a été appelé par un nouveau sélectionneur. Il va aller faire Haïti va jouer contre Équateur. Ludina a écrit dans... Équipe A. Oui, équipe A, oui. Oui, oh. Équipe A, oui, M. Alphonse. Belle bagarre. Non, mais nous avons dit ça. Depuis l'année où elle est mexicaine, nous avons dit qu'il faut aller dans la sélection nationale là. Il mérite, lui. Il a une physique là, il a une technique là, il a une détermination. C'est nouveau modèle joueur que fille ont réussi à et que garçon ont beaucoup à et la possibilité pour la partager la terrain avec des équipes plus expérimentées que lui, ce n'est que pour améliorer lui-même et pour progresser un peu plus. Oui, tout à fait. C'est le meilleur bagage qui arrive. Nous sommes bien contents. Mais FD ou Dipilon éditorial, là, il parti, ça, c'est la première fois qu'on fait plaidoyer ça. Si tout un chacun se réjouit des résultats de nos filles, rares sont ceux qui soulignent que le sport féminin est à l'arrêt, que la relève n'est pas en route, ni que tout ce qui nous arrive de bon vient de l'étranger grâce à cette génération de joueuses qui évoluent dans les équipes et championnats hors du pays. Là, on peut dire problématique là, il y a problème UFD. Bon, malheureusement, c'est ça lié. N'a bénéficié, n'a battu bravo, nous content, mais ça a sauvé nous là depuis quelques temps, c'est parce que toutes mesdames sont parties. Parce que pas gain un pile monde qui avait volé dans le football féminin dans la sélection nationale, nous, qui a joué en Haïti. Formation que vous avez, hein? Football qui n'a pas pied, entraînement, ce n'est pas en Haïti au prenez. Et c'est parce que grâce à Dieu, il a joué dans les championnats et dans les équipes à l'étranger. Parce que Haïti, M. Alphonse, pas investi comme dans le football féminin, pas investi comme dans le football tout court, pas investi comme dans le sport tout court. Maintenant, on dit championnat, maintenant, où est-ce qu'on doit faire une base dans l'école football, le mot qui est tapé dans le ball, non, etc. Tout, formation technique, tactique, etc. Mais comment il y a des compétitions et championnats, rien ne remplace ça. C'est l'application du savoir. Non, rien ne remplace la rage de vaincre. Rien ne remplace l'esprit d'équipe. Rien ne remplace, on a dit, l'humilité devant la défaite. Rien ne remplace le devoir de recommencer à chaque fois. Et c'est un championnat pour jeunes, c'est un affrontement pour jeunes, c'est un match après match pour jeunes, M. Alphonse. Maintenant, où dis-lui là, où résumer les problématiques là en un mot, et bien c'est parce que vous faites, pardonnez-moi, Haïti va investir en good, ouais, j'ai crevé, ni dans le présent, ni dans l'avenir football, que ces garçons, que ces femmes, ils n'ont pas de manière générale. Bon, malheureusement, c'est le cas, il faut nous dire. Et là, on a une nouvelle sac sorti jeudi à la gain tout un article côté comité olympique a expliqué que haïtien poko bali poko font geste. Nous sommes à 2 mois des Jeux olympiques, monsieur Alphonse, Haïti pour le représenter. Tout le monde a battu bravo les avec uniforme joueur pour le mettre, mais tout le monde oublie qu'on a besoin corps pour aller. Oui, non, parce que vous connaissez nous-mêmes, c'est nous toujours à voler au secours de la victoire, mais dans le gouverneur, là, pour préparer, pour vous aller, nous ne faire pas partie ça. Mais où dit FD, plus loin, et là, clairement, bon, moi, mais on dit là, oui, là, on va petit ventre, quand on dit mon yo, pour vous dire, faut que l'argent dans le sport, point. Bon, oui, que c'est l'argent l'État, que c'est l'argent secteur privé, aussi petit que l'IA, faut que l'on.
On dit, où fait des considérations sur le sport, sur le football et Monsieur Alphonse, tantôt, c'est bien, moi, je dis souvent, seul le sport, le football en particulier, fait encore de nous un pays, un peuple, une nation d'hommes et de femmes qui vibrent et rêvent, animés par une passion commune dans la recherche de la victoire ou dans l'attente d'un simple beau geste. Monsieur Alphonse, ce n'est pas politicien qui fait qu'un bat fort. Ce n'est pas cinéma qui fait qu'un bat fort. Ce n'est même pas musique qui fait qu'un bat fort à l'unisson. C'est sport, M. Alphonse. Bon nation haïtienne, toujours, M. Alphonse, c'est la Haïti qui a joué football sur son terrain. C'est là, Naomi Osaka a joué tennis. Tout Naomi n'est pas pour nous, non, mais la joué, nous bien content de garder, le fait vibrer, M. Alphonse. Les saines passions, M. Alphonse, doivent être encouragées, M. Alphonse. Doivent être alimentées, M. Alphonse. Doivent être financées, M. Alphonse. Si ce n'est pas ça, c'est une passion triste, c'est une mauvaise action de braler. M. Alphonse, même si il y a 20 ans, on a continué à dire, M. Alphonse, parce que pas gain l'autre. Pas gain l'autre. C'est comme ça pour lier, M. Alphonse. C'est là pour nous passer. Oui, mais dans le précédent éditorial, j'ai souligné comment, en dépit des difficultés, il y a un côté en province et en région, il y a un dégagement. Femme d'eau, M. Alphonse, dimanche, il y a un final football, championnat spécial, football masculin. Je suis très content. Real Hope, qui sont une nouvelle équipe, et une équipe capoise, M. Alphonse, mais Real Hope champion. L'aime dit nouvelle équipe là, une jeune équipe, parce qu'il n'est pas FICAL, pas HC. Real Hope champion, M. Alphonse. Le Kalewana, M. Alphonse. Ouais. En tout cas. Moi-même, comme fanatique et Tigers et volleyball, là, moi, ça gagne derrière et mobiliser, préparer l'argent, manger, le véhicule du groupe, logistique, transport. C'est son expérience de vie extraordinaire. Oh, équipe football, basketball, volleyball, sport, d'une manière générale, son paquet de causes, oui, FD. Bon, M. Alphonse, moi, malheureusement, je quitte le football longtemps, mais je prends toute presse là. Et je connais une sensation belle. On équipe à le jouer ensemble, à suivre ensemble, gagner ensemble. Et même des fois, perdre ensemble, parce que ça fait partie du sport. Et bien, moi, je connais, moi, respecte et m'encourage dans mon pile, en pile, en pile, jeune, passer dans l'école ça. Parce que l'école du sport, c'est une meilleure école. Nous pas qu'à mettre Premier ministre, M. Alphonse, parce que nous pas qu'un championnat de football. Parce que nous ne pas jouer sport, M. Alphonse. Nous ne pouvons pas perdre l'élection parce que nous ne pas gagner ce championnat, M. Alphonse. Mais si nous ne gagnons ce championnat, si nous ne gagnons ces compétitions, nous devons comprendre qu'il y a perdu dans le jeu là, M. Alphonse. Ouais, les valeurs du sport, parce que c'est là, elle est oui. Les valeurs du sport. Et comme ça, français a dit, M. Alphonse. Comme ça, français a dit. Oui, on l'école lié. On l'école. Merci, oui. Merci, FD. Bon, là, même très tenté de demander qui position de contre FD? Ou t'es attaquant ou... Non, M. Alphonse, nous devons quitter le football depuis une boule chaussette, M. Alphonse. Ah, bon, ok. Parce que... Pas une attaque, M. Alphonse. Mon ami, imaginez qui position de contre qui position de backup. Non, spectateur, M. Alphonse. Spectateur. Plus bonne position. Oui, ça... Dans les paris, chef, tout dans Merci, M. Duval. Moi, contre placement, je ne vais pas conseiller de la CAP si c'est occupé l'équipe. Et puis là, je ne vais pas conduire gauche. Moi, spectateur, tu n'es plus placement. Placement depuis toujours, M. Alphonse. D'accord. Spectateur. Tu as gagné dans la Football féminin, une autre distinction pour Merci Dumont, c'est grand titre nouvelle ce matin. Et l'autre nouvelle de jeu continue sport, à 2 mois des JO de Paris, la contribution de l'État haïtien se fait attendre. JO de Paris 2024 pour une meilleure participation du pays, le COH s'active sur les préparatifs des athlètes haïtiens. Campus Saint-Christophe, promotion Dr Antoine René Charles, 88 nouveaux médecins diplômés, très bonne nouvelle. L'hôpital universitaire Dr. Aristide offre accouchement et pap test à moindre coût. Toujours bonne nouvelle. Championnat national spécial Real Hope Academy champion. Toujours une bonne nouvelle. Football féminin triomphe du Barça en Ligue des Champions. Bon, ça n'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce que Lyon devait être calé.
Le CPT ne peut pas se permettre d'improviser dans une affaire aussi importante que le choix d'un Premier ministre, selon Lini Baltazar. La dette de l'indépendance d'Haïti au centre de discussion à l'occasion du 10e anniversaire de l'Université politique publique d'ENIP. Décès de l'académicien Pierre-Michel Chéri, l'ACA, hommage à un fils authentique du pays. Et puis, dernier article, M. Alphonse, le choix du Premier ministre selon l'accord du 3 avril. M. Geoffroy a rappelé ça qui est écrit dans l'accord 3 avril là. Ça a été de suivre pour arriver jeune Premier ministre. Hein. Et puis, dernière nouvelle là, des images hier, un blindé de la PNH incendié, un policier blessé, agressé. Merci à vous, M. Duval. Bonne journée. Oui, M. Alphonse, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Alphonse. C'est un plaisir. Plaisir partagé.